Et elle a l'air un peu soucieuse. Svetlana Korkina, l'ancienne. Alors elle a déjà gagné aux asymétriques, ça n'était pas vraiment une surprise. En revanche, au sol, elle a réussi à se qualifier. Je ne suis pas sûr que ces éléments chorégraphiques pallieront le manque d'acrobatie. Ouais, peut-être c'est un autre style. Voilà, donc il y a un peu plus de... Là, c'est totalement différent, de toute manière. C'est vrai que c'est difficile à comparer entre la brésilienne et puis Korkina. Vous allez voir, c'est totalement différent. Deux styles, deux expressions qui n'ont rien à voir. 9-200 pour la brésilienne, on a vu sa note. Alors, peut-être qu'il y a un compteur qui a disjoncté chez les gens. C'est parti pour Svetlana Korkina. Il y avait quand même quelques imprécisions malgré. Oui. Un exercice très lourd. Oui, salto arrière, corps groupé. Ouf, c'est encore passé tout près du bord du praticable. Mètre 67 pour Svetlana Korkina, si mes souvenirs sont bons, 1m64, pardon. L'une des plus grandes par la taille sur le circuit. Et là, elle est sortie. Dommage. Enchaînement. C'est gracieux. C'est très beau. Et oui, un sol que l'on déguste. Et curieusement, le final n'est pas le même que lors des qualifications. Et oui, on change la fin. C'est vrai qu'elle a du métier, donc elle peut s'amuser à... Oui, mais toujours une belle harmonie entre la musique et la chorégraphie. Ouais. Dommage qu'elle soit sortie du praticable. Elle coûte de toute façon systématiquement un dixième. Voilà, on revoit les quelques acrobaties. Vrille salto arrière corps groupé pour son entrée. Voilà, là c'était déjà tout prêt. Beaucoup d'expression. Le tempo, l'impulsion. Je crois que c'est un, deux et trois tours, et c'est là qu'elle sort du praticable. Et ça, c'est un dixième. Eh oui. En plus de la pénalité, bien sûr, pour la mauvaise réception. Double voyant demi percute. Salto avant demi-tour. Philippe Rizzo, Australie. Et ça, c'est vrai que... Le secret de Korkina pour justement réussir à continuer à rivaliser avec ses jeunes adversaires, c'est d'ajouter des éléments de chorégraphie qu'elle est sans doute la seule à pouvoir réaliser de cette façon-là. 9.150. La cinquième place, elle s'en sort plutôt bien. Oui, oui, mais sans la sortie, c'est vrai que elle pouvait jouer le podium. Là, malheureusement, elle prend actuellement la cinquième place du concours. Et le concours est terminé, mais on n'aura pas départagé entre temps Hippolito et Gomez. Oui, parce qu'après, ça prend un peu de temps pour aller fouiller dans les notes et voir voilà, un petit peu. Voilà, elles sont en première ex aequo pour l'instant.